On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma maman Ouais. pour faire une petite vidéo dégustation. Dans cette vidéo, on va déguster des produits asiatiques. Donc, on ne sait pas réellement de quel pays ça vient. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot asiatique. Mais en gros, c'est mon frère. Vous êtes allé où? Ils sont allés à Paris Store et du coup, il y avait plein de produits à tester. Atypiques. Des Oui. produits qu'on n'a pas forcément en France ou en Europe. Et du coup, ils en ont acheté plein et on est là pour déguster. Et je pense que ça va être un petit peu tendu. Nous Parce sommes. qu'on est très simple, nous, au niveau nourriture. On mange pas forcément des choses qu'on n'a pas Non, l'habitude de non. manger. Donc, j'ai Hâte, hâte. moi aussi, très hâte. On va voyager. Donc, du coup, on a tout mis dans un sac. On ne sait pas ce qu'il y a. Hop, on n'a pas tout regardé, mais le sac est plein à craquer. On va piocher et au hasard, et comme ça, on va découvrir en même temps que vous. Et en même temps, on va pas choisir ce qu'on va manger, donc ça va être encore plus sympa. Je te laisse piocher en premier. Vas-y, tourne ta tête vers là-bas. Ta main n'est pas dans Attends. le sac. Va au fond du truc. Oh, ça va, on commence bien! Donc, on commence avec des mochis. Donc, ça, c'est simple. Franchement, ça, c'est cool. Ma mère n'a jamais goûté, moi, je connais. Je crois que c'est des mochis au chocolat. Je sais pas. C'est même pas écrit. Moi, le goût, ça me dérange pas, mais c'est la texture qui est un peu particulière. Ça a l'air. Vas-y, touche la texture. Montre à la caméra. C'est bien mou, hein? Il y a un truc dur au milieu. Enfin, un peu plus dur. Tu penses que c'est? Ça sent quoi? Ça va. Ça sent pas bon, hein? C'est sympa. Vas-y. C'est dégueulasse. Faut pas dire ça. On dit c'est pas bon. C'est pas le meilleur goût qu'on Non. a eu, hein. C'est pas chocolat, ça. Moi, je m'attendais à du Non. chocolat, c'est pas chocolat. Tu restes sans voix. Sans voix, Hein, carrément. sans voix. Tu veux pas le finir? Non. Non. Moi, j'ai mis ça. C'est quoi ça? C'est des petits gâteaux pour lire l'avenir. Ah, c'est bon ça, non? Vas-y, prends-en un et j'en prends un autre. Tu l'ouvres comme Tu ça? le casses, ouais. Vas-y, casse-le. Et là, tu lis le message qu'il y a écrit là-bas. Ben, je peux pas lire, moi. Ah, mais je vais te le lire, je vais te le lire. Sans lunettes. Et ça se mange, ça? Oui, mange. Tu vas voir, c'est bon. Une petite bouffe avec. Ah, mais ça, c'est bon. Du coup, il y a écrit: tu es une pute et tu resteras une pute. Je rigole, hein. Je croyais, je sais pas. Il m'a écrit des trucs comme ça. Il est écrit: ne jamais confondre entre devoir. Entre quoi? Entre d'avoir une carrière et avoir une vie remplie. Ouais. Mais arrête de manger le gâteau quand Mais même. c'est parce que ça c'est bon. Ouais, c'est quand même mieux. C'est à moi? Ouais. Non, c'est pas le même truc. C'en est? Bah oui, c'est des mochis, mais c'est un autre goût. Tu fais quelle couleur? Vert. Allez, encore des mochis, sauf que cette fois-ci, eux ils sont au frais, genre. Ils étaient pas dans une boîte. Sans Ça sent amis la de coco. coco. Oui. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit fourré comme ça, on dirait du thon. Mais ça va, c'est bon là. Peut-être qu'on n'a pas le même goût. C'est un goût de noix de coco. C'est la texture qui te dérange. Il n'y a pas que la texture qui me dérange. C'est spécial. On boit de l'eau dans des verres à vin, je dirais. C'est meilleur que l'autre. C'est meilleur. J'espère qu'on va avoir un truc bon là. Très bon là. Je le sens. Ah, ça c'est bon ça, non? Les chips de banane. Mais je pense pas que ce soit asiatique ça. Mais bref, c'est du coup, bon. il y avait ça. Et ça, c'est trop bon ça. Des chips de banane salées. Tu sais, c'est Selena qui me ramenait tout le temps ça. Faut que tu sois un peu joyeuse. T'aimes pas? Pas trop. Ah bon? On t'a dit que t'aimais bien. Elle aime rien. J'ai confondu avec les bananes séchées mais sucrées. Oh! Ah, ça doit être bon ça. Enfin à boire. Du coup, c'est de l'aloe vera. À la grenade. On dirait les bouteilles que t'as à Monoprix. Ça sent bon. Il y a des petits morceaux d'aloe vera. C'est sucré. Hein. C'est hyper sucré. Ouais. Mais c'est grave bon par contre. Hein. Ouais, c'est bon ça. C'est bizarre les petits trucs qui nagent dedans. C'est de l'aloe vera. Bon, ça c'est bon. C'est sucré mais c'est bon. C'est bon. Mais par contre, c'est très fort. On dirait de la grenadine mais qui a été mal ouais. mélangée. Oh. Donc c'est un dessert à base d'agar-agar. C'est de la gélatine d'algues, je crois. Et du coup, c'est de la gélatine comme ça en conserve. Donc, on adore ce doux bruit. Oh ah Non, mais tu es sûr que c'est un dessert, Melvin? Oh. C'est pas un dessert, ça. Oh, le bruit! Ah, ça sent la menthe. L'odeur, ça va. Toi d'abord, toi d'abord. Ok. Oh, ça va.
ça va. Malo, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut voir une queue qui se... Mais oh, tu vois, le papier finalement ça disait vrai au début. Hein. Malo, il veut goûter à tout. C'est pas possible. Ah, ça c'est comme des chips, non? Ouais, on dirait des petites chips, mais vertes. Peut-être aux haricots. C'est guacamole, hein? Non, ça c'est du l'avocat, ça. Hein. Quoi? Wasabi. Ah, wasabi. Attends, je goûte. Ça a quoi comme goût? Oh là là. Mais moi j'aime, ça va. Hein. Ouais, ah non. Non, moi ça va en vrai. Là. Non, en vrai ça va. Hein. C'est pas possible. Je mangerai pas le paquet, mais ça va. Allez. Ah, des chips. Encore des petits snacks. Oh non. C'est quoi? Il y a un calamar dessus. Ça va pas l'air bien. Attends, il y a un petit calamar derrière. Sentez le sac. Sens d'abord. Ça sent le vécu là. Ça sent la chatte. Hein. Je te jure, ça sent la chatte. Hein. On dirait des chips aux crevettes un peu. Ah, oh, ça va. Ah, bon. Bah tiens. Non, mais pas plus, mais... Non, pas plus parce que je sens que là... Non, je peux pas. On dirait des chips de crevettes là, que vous ouais. Achetez. Non, ça va. Oh putain. Je sais pas ce que c'est. C'est une outil pique. Marianne a fait que manger ça. Ah. Ça arrache la gueule normalement. En gros, je pense que si vous regardez les vidéos sur TikTok, YouTube, etc., vous connaissez, mais c'est les nouilles extra piquantes. Et je crois que c'est les plus fortes, en plus c'est les x2. Et ça arrache la gueule, genre merci. Vraiment ça arrache la gueule. Bon alors, en attendant que mon frère prépare les nouilles, on va boire une petite boisson qui se présente comme ceci. Donc ça, encore une fois, ça c'est des boissons qui sont très 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 connues. Oui, très connues. Enfin, je connais pas. Ben, ceux qui regardent des dégustations asiatiques, etc., vous avez déjà vu ce genre de bouteille. C'est trop stylé. En gros, tu vas avoir une petite bille, il faut éclater la bille. Tu vas voir. Tu vois, t'as une bille là et tu peux pas boire tant que la bille elle est là. Et du coup, tu dois prendre le poussoir là. Hop là, tu prends le poussoir. Et tu appuies avec ton doigt après. Hop. C'est un peu dur, hein? Ouais, je vois ça, ouais. Tu veux que je le fasse? Vas-y, te casse pas le doigt, hein? C'est dur? Ah, yeah! Oh, non, c'est bon. Okay. Là, je crois que c'est saveur limonade classique. Ah, ça, c'est bon, ça, alors. Mm. Tu peux pas avaler la bille, là? Non, la bille, passe pas. Attends. C'est bon. T'aimes bien? Ouais, ça, c'est ça bon. Ça va, c'est bon? Non, ça, c'est bon. Donc du coup, nous avons les nouilles qui sont prêtes, qui baignent dans la sauce piquante. Et je crois que ma mère vraiment se rend pas compte, hein, parce qu'elle est là, oui, moi je connais le piment et tout, non mais là c'est pas du piment, maman, c'est du feu. Je vais mourir là. Oui. Allez, j'ai pris une bonne. Ça sent très très fort. Ça sent, c'est au poulet, c'est au poulet. Non, c'est pas. Si, c'est au poulet. 3, 2, 1. Oh mon dieu. Je t'ai dit quoi? C'est pas possible. Ah, c'est affreux. Ah! C'est quoi? Attends, j'ai la tête qui tourne. C'est vrai? Oui. Je te dirai après ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, mais si je te dis maintenant ce que c'est, tu vas pas pouvoir manger. Mais ça a l'air très bon. Fais-lui sentir d'abord. Ça sent le mort. Oh, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est quoi? Mange. Des pieds de truc. C'est du gras. Non. C'est du gras. Je crois que je vais vraiment vomir après la vidéo. C'est du gras. Contre, hein. Oh. Je crois que je vais vomir. Je peux pas la texture, je peux pas. Je connais. Oh. Je peux pas manger. Non, en gros, c'est de la fausse viande. Oh. C'est végétarien et il y a écrit imitation saveur tripe. Oh. C'est fou comme quand même gustativement on n'a pas du tout les mêmes repas. Alors, petite boisson, c'est quoi ça? De la goyave? Ouais. C'est de la goyave, je crois. Ça m'a l'air bon.
Enfin, il n'y a pas de bouchon chez eux. On fait quelque chose de bon. Quoi? C'est qu'on a perdu. Il est con celui-là. Il y a marqué tout le temps la provenance, ça vient de... Ah, c'est trop bon. Ah, c'est bon, on dirait du Danao. C'est pas du jus de jus, c'est pas du jus de fruits, genre on dirait qu'il y a un peu de lait. Bah, ça vient des Pays-Bas. Bah, très asiatique, hein. Ouais. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Oui. Bah, c'est des petits pois. Allez. 3, 2, 1. Ah, si, c'est wasabi, mais vite fait. Ah, ça, c'est bon, hein. Si, ça va, c'est bon. Ah, ouais. J'aime bien. Non, c'est bon. Oui, un truc qu'on aime. C'est trop bon, ça. Ça fait plaisir. Ça, c'est des bonbons. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que, ouais, on dirait des bonbons. Des petits bonbons. Ça, ça a l'air bon. C'est un emballage. Allez. Non, c'est pas des bonbons. C'est quoi, ça? On dirait des mini dessous de verre. En fait, c'est plein de petits... Comme des... On dirait de la bouffe pour poisson. C'est de la bouffe pour poisson, ça, non? Tu t'es pas trompé, Melvin? C'est pas pour les poissons, ça? C'est pas pour les poissons, ça? Non, c'est des bonbons à la cannelle. Ah, c'est des bonbons? Ah oui. Ah, c'est bon. Ça n'a aucun goût. Ah, si. On a... un œuf poché. On a un œuf poché vert. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout moelleux. Tout comme ça. Et dedans, on dirait qu'il y a des petits morceaux. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au faux vomi qu'on avait, tu sais, dans les pots, là. Coupe pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un œuf poché. C'est un œuf? Ah, c'est vivant! C'est quoi? Non, c'est mais non. Moitié, remoitié. Recoupe. Ma mère, je pense qu'elle s'est un peu trop emballée. Ouais, tu t'es emballée, là? C'est bizarre. C'est quoi comme goût? C'est un goût que je connais, hein. Je peux pas. La texture, je peux pas. J'aime pas la gélatine. Mais ça se mange, ça, de la gelée d'herbe? De la gelée d'herbe? Ça se mange? Oui. Oui. Mais peut-être pas comme ça? Si. Si. Allez, c'est parti. Mais c'est du pétrole. Mais ça peut pas se manger. Non, mais ça se mange pas, ça. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, il n'y avait plus de batterie, donc j'ai rechargé la caméra. Horrible. Horrible, le truc c'est du pétrole et tout, genre c'est pas possible. Là. Il y a plein de cheveux à Malou qui sont rentrés dedans en plus là. Super. Et j'ai envie de vomir. Bah ouais, mais. Allez. Faut pas, non, faut pas. Non. Non, c'est pas possible. Ah là, c'est pas possible. Mais c'est un goût de marée basse. Non. On dirait de l'eau de terre, on dirait de la terre. Ça se mange pas, ça. C'est un goût de terre. Allez, on va goûter ça. Allez. Non, ils ont l'air bons, ceux-là. Avant-dernier produit, puisqu'après, on va finir avec la boisson, comme ça, au moins, on aura un truc bon. Là, ce sont des mochis, et il y a écrit matcha, donc techniquement, c'est au thé vert. Oh. Bon, pareil, hein, la texture, voilà, quoi, c'est des mochis. Ah non, on veut pas, hein. C'est... Non. C'est dégueulasse. Ah, je peux pas. C'est quoi, ça? Aux herbes, on dirait encore. C'est quoi, ça? Les seuls trucs qu'on a aimés, c'est les gâteaux, là, avec les messages et les boissons. Y a plus rien d'autre? On va boire, pour oublier. Ce soir, je bois du champagne. Hein. C'est bon. Oui, ça, c'est bon. C'est bon. Dernière petite boisson, cette fois-ci, encore, c'est au melon d'eau, je crois. Enfin, c'est le melon vert, comme ça. Bon, tous ces trucs, c'est bon, quand même. Ouais, les boissons sont bonnes, hein. Après, il y a quand même des petits morceaux d'aloe vera à chaque fois, c'est un peu surprenant, j'ai pas l'habitude, mais... Là, c'est des gros morceaux, quoi. Ah ouais? Ah non, c'est des morceaux de melon. Oh, non, non. T'aimes pas? Ah. Mais c'est du melon. Il y a des trop gros morceaux et... Non. J'ai l'impression qu'on me crache dans la bouche, en fait. Là, c'est vraiment des gros morceaux, j'ai l'impression qu'on me crache dans la bouche avec des morceaux que la personne, elle a mangé avant, quoi. Bon, ben... On n'a rien aimé. On est vraiment compliqué, on est dur, on est compliqué. C'est quoi, ce truc? Non, les pâtes, c'était bon. Les pâtes, c'était bon, mais c'est tellement piquant que on peut pas manger. C'est trop pimenté. Bon, déjà, toutes les boissons, on les a aimées, sauf la dernière boisson, t'as pas aimé. Oui. Après, en bouffe, qu'est-ce qu'on a aimé techniquement? Ça, on a aimé. On a aimé les petits messages. J'ai rien aimé du tout à part ça. Les pâtes, c'est bon. Oui, c'est mais mangeable parce que c'est mangeable, pimenté, c'est pimenté. Malgré qu'on a été extrêmement difficile, après encore une fois, je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, nous on est très très simple en nourriture, on mange pas des choses
qu'on n'a pas l'habitude de manger, on reste simple. Très simple. Et du coup, là, on est totalement sorti de notre zone de confort avec des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Oui, bien après. Donc, bon, on n'a pas vraiment aimé les choses, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On espère que la vidéo vous aura plu, et puis on vous fait plein de gros bisous, et on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao! Plein de bisous!